j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va. J'espère que vous ça va aussi. Enfin, ça va. J'ai pas passé particulièrement une très bonne nuit, mais on va dire que ça va. Voilà, on essaye de relativiser. Que dire. La nuit, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, Logan, il a été sage, hein, mais la nuit, il a été très 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 agité. Alors, je sais pas si ça vient du fait qu'on lui a retiré les bouchons hier des oreilles, mais j'avoue que il a été très 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 agité. Attends, je me coiffe. Je me suis dit, je vais vous prendre avec moi en salle de bain. Ça sera tout aussi bien. Voilà. C'est du très vite fait. En même temps, j'aime pas passer des heures. Après, ce chouchou, il tient pas trop, pas des masses. Je l'avoue. Alors, on va essayer de serrer, mais quand c'est trop serré, après ça me fait mal à la tête. Bon, on va dire que c'est bon. De toute façon, je ne sais pas si je sortirai parce que je n'ai toujours pas la voiture aujourd'hui. Je vous avais dit que je vous mènerais moi à Ikea. Eh bien, c'est raté pour aujourd'hui. Je n'ai pas la voiture. Franchement, le garage, il n'est pas sérieux parce que depuis lundi que je lui ai déposé, enfin déposé avec Franck, il n'est pas réparé quoi. Il est pour changer un phare et un pare-choc. Je veux dire, on n'a pas changé le moteur non plus. Hein, sèche. Un phare et un pare-choc. Bon, enfin bref, j'espère l'avoir demain. Et je ne sais pas du coup si j'irai à Ikea demain. Parce que le problème, c'est que Franck ne travaille pas demain. Mais si je vous prends et moi à Ikea, si je suis avec Franck, ça ne va pas être possible. Parce que je suis avec Franck et que quand je suis avec Franck, eh ben je suis avec Franck. Voilà. Je ne suis pas sur mes réseaux, ni sur mon téléphone, ni sur filmé. Voilà. Quand je suis vraiment avec Franck, je suis vraiment avec Franck. Parce que il n'est pas souvent là. Donc je ne vais pas vlogger quand il est là. Voilà. En gros, c'est ça. Donc du coup, s'il est là, si demain il est avec moi chez Ikea, donc vous n'aurez pas de vlog Ikea, mais bon, à la limite, je vous ramènerai parce qu'on va sûrement y retourner. Je ne vais pas arriver à tout acheter vendredi, d'autant plus que vendredi, on doit être revenu assez tôt. On doit être revenu assez tôt parce que on a l'état des lieux avec Dylan à 14h45. 14h45 ou 13h45, je sais plus, quelque chose comme ça de toute façon. Donc du coup, on va faire court, d'autant en plus que l'IKEA ça ouvre qu'à 10h, de Franck son dernier jour de repos, est-ce qu'il va vouloir se reposer, ou à moins que j'y aille seule et que je vous freine, je sais pas. Donc du coup, tout ça pour revenir que je n'ai toujours pas la voiture, et ça me fait chier, en plus je devais déposer le dossier de Logan à la crèche, à la mairie ce matin. Franchement ça me fait chier, voilà. Bon, après demain c'est fermé donc je pourrai pas, donc ça reportera à lundi, voilà. Et Logan il reprendra que la crèche, je voulais le ramener demain pour aller pouvoir, si jamais j'allais pas à Ikea, pouvoir aller un peu au sport, mais Franck il est pas trop chaud pour qu'il y retourne demain. Donc du coup, je pense que demain il ira pas, on va le garder encore à la maison et on le ramènera, il retournera à la crèche vendredi. Bon, enfin du coup, je m'éparpille un petit peu ce matin sur les sujets, sur différents sujets. Voilà, donc je viens de vous poster un vlog d'hier, donc de mon rendez-vous. Enfin, quand vous aurez vu ce vlog, vous aurez compris pourquoi je vais vous parler de... Quand vous aurez vu le vlog d'hier, vous comprendrez pourquoi je vous parle de l'ORL. Parce que hier, en fait, on a été chez l'ORL pour Logan. Parce qu'il avait des bouchons dans les deux oreilles. Enfin, un bouchon dans les deux oreilles, plus une otite. Donc, il m'a donné un traitement par voie nasale. Un antibiotique par voie nasale. Donc, du coup, on va traiter tout ça.
Et il m'a dit qu'il entendait, moins. Alors, affaire à suivre parce qu'on m'a jamais dit qu'il entendait moins. Donc, je me dis que peut-être ça serait ça qu'il y avait un retard de langage auparavant. Alors, attendez, je me mette prêt en fait pour faire l'eyeliner parce que quand j'ai pas les lunettes, ben, je ne vois rien. Logan, arrête de crier! Hey, qu'est-ce que c'est ça? Enfin voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on l'a ramené chez l'ORL et il avait un bouchon, donc je vais appeler la crèche pour leur dire que demain il n'ira pas, je le garde encore à la maison aujourd'hui. Et du coup aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur un vlog, un vlog de routine, voilà. Un vlog de routine ménage, un vlog de routine de ma vie quoi en fait, en gros c'est ça. Voilà, là Jordan est de repos aujourd'hui, mais il va aller faire ses 2 heures de leçon conduite comme tous les jeudis. Parce que le jeudi et le vendredi il est de repos, mais il avance sur ses leçons de conduite. Sinon la voiture de Carla, statu quo, on n'a pas de news. Lui aussi, l'expert, on casse les bips. Il a toujours pas appelé le garage pour savoir si on la répare, si on la répare pas, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'elle passe en épave. C'est super long. Voilà. Bon, écoutez, je finis de me préparer, puis après, je pense que je vous reprends. Parce que là, je blablate et c'est moyen. Juste, je vous reprends pour vous reparler des bananes de chi. Je suis vraiment très fan des Banana Beauty. Franchement, n'hésitez surtout pas à les commander sur le site. Franchement, j'ai pas de code promo, mais ça sert à rien parce que une fois que vous avez fait votre première commande chez Banana Beauty, vous créez un compte et vous recevez pratiquement tous les jours des codes promo. Tous les jours. Donc, il faut de toute façon utiliser les codes parce que sinon c'est trop cher. Un comme ça il coûte 25 €, mais vous allez me dire, vous allez chez Sephora ou vous allez vous le payer aussi cher. Mais franchement, moi j'en suis vraiment très très contente. Alors autant les couleurs flashy que les couleurs nude, enfin, j'aime tout. Voilà, c'était la petite parenthèse. Là, je vais faire ça hier soir, mais on est rentré tellement tard de l'ORL. Arrête de faire ça. On est rentré tellement tard de l'ORL que du coup, je vais faire comme si je n'entendais pas parce que c'est nouveau ça. Donc, du coup, j'ai fait les poulets. Je vais revenir des pilons de poulet avec de la moutarde au basilic que je mets dessus et j'ai mis des épices à poulet. Voilà, je vais laisser la chance que je vais mettre trop fort. Je vais laisser un petit peu cuire, après je rajouterai un petit peu d'eau pour que ça cuise avec peut-être un fond de volaille. Voilà, et je pense que je vais faire ça avec des frites pour ce midi. On est que... Attends chérie, on est que Logan et moi, quand il travaille, il est en formation. Et du coup on est connus. Voilà. Donc ça va être du côté. Bon, il me tire, je vous laisse. Bon voilà, je vous reprends, il est 11h30 et on est sur une fin de jeu avec Logan. On a bien joué pendant une bonne demi-heure. Voilà, ça part en cacahuète, là il est en train de faire n'importe quoi avec la pâte à modeler, je vais aller la ranger. On a fait un petit peu des puzzles et là on va un petit peu ranger et je vais commencer à lui préparer à manger. Et je pense qu'après il ira au lit de bonne heure comme hier en fait. Parce qu'il est debout quand même depuis 7h moins le quart. Donc voilà, on est sur une semaine 7h moins le quart. Voilà. Donc je pense que ça va être ça toute la semaine. Je ne vais pas t'ouvrir la pâte à modeler maintenant. On arrête. D'accord? On arrête. Ok? Bon, allez, j'ai préparé à manger.
moment, il est 2h30 et Logan il dort à peu près depuis 1h30. Et voilà, là j'ai un petit peu rangé, enfin un petit peu. J'ai tout rangé la salle à manger, je vais me repasser un coup d'aspirateur. Comme Logan il dort bien, donc du coup je vais repasser un coup d'aspirateur. J'ai tout rangé la cuisine. Voilà, tout rangé la cuisine. J'ai même frotté le sol. Enfin, c'est encore un petit peu mouillé. J'ai même frotté le sol. Voilà, et donc on est bon. J'ai fait aussi la salle de bain. Et j'ai fait aussi un truc. J'avais ce Mickey en fait que j'avais acheté à Disneyland Paris qui était couleur argent. Il ne me plaisait plus en fait couleur argent. Donc du coup je l'ai bombé en blanc. Et je trouve que le rendu est plutôt, plutôt pas mal. Je vais vous ouvrir la vitrine. Plutôt pas mal. Alors j'ai tout bien sûr mis le scotch autour. Et je l'ai bombé avec une peinture blanc laqué. Et franchement, il est canon. Voilà, il est canon comme ça. Il a retrouvé une seconde vie. Voilà. Parce que moi, j'aime bien le blanc. J'ai aussi... alors en plus, tout ce qui est figurine, qui est vendue en blanc, c'est hyper cher. Je vais vous montrer. Rien que déjà, celle-ci... Elle est bon, celle-ci elle est en blanc, mat. J'en ai encore sur les doigts. Et je l'ai quand même payé avec le marbre quand même dessous. J'ai quand même payé 100 euros hein, avec la réduction corporelle annuelle, donc ça m'a fait moins. Mais quand même 100 euros. Et ça c'est aussi Franck qui me l'a pris sur eBay parce qu'elle n'y était plus sur Disney, à Disney et aussi sur Disney Shop. Mais rien que quand c'est blanc, c'est beaucoup plus cher. Voilà, rien que j'avais pris pour mon ami le château comme ça, celui-ci je l'ai payé 120 euros et ils l'ont sorti, enfin un créateur italien il l'a sorti tout en blanc et tout en blanc il était à 200 euros, voilà. Donc je l'ai pris pour, enfin je l'ai pris, elle m'a donné les sous, j'ai pris pour moi, pour mon ami tout en blanc, c'est-à-dire ça c'est blanc, tout est blanc, il est vraiment, bon après... Je pourrais le bomber tout en blanc, mais honnêtement, là, il est vraiment représentatif de Disney. Et puis, je pense qu'autour, avec les princesses, ça fait super joli. Et il me manque quelques-unes. Il me manque la fée Clochette. Il me manque Pocahontas, Mulan. Je crois que... Comment elle s'appelle? Tiana et Réponse n'ont pas été faites. Donc, voilà. Voilà, on reprend le vlog comme ce matin, enfin on clôture comme je vous ai ouvert le vlog ce matin dans la salle de bain. C'est là où je voulais en venir en fait. Voilà, on arrive sur la fin du vlog, on arrive sur la fin de soirée. Il est 19h. Là, je vais prendre une petite douche parce que j'ai un petit peu mal à la tête. Je ne vais pas me laver la tête parce que demain matin, je vais aller au sport. Et ça va me faire du bien un petit peu parce que j'avoue que je suis pas sortie de toute la semaine et voilà, donc c'est pénible. Le garage ne nous a toujours pas appelé, donc demain ça sera toujours pas Ikea puisque je n'ai pas de siège auto, j'ai pas m'aventurer l'endroit où c'est un siège auto. Mais j'espère vraiment que pour changer un pare-choc et un phare, demain je récupère ma voiture au moins pour le week-end quoi. Enfin, franchement, je suis dégoûtée. Voilà, sinon, écoutez, Carla est partie chez le kiné ce soir faire ses séances. Elle a des séances de kiné pendant un mois. Donc, elle a fait séance de kiné. Logan a pris la douche. Enfin, j'ai pris la douche à Logan. Tout le monde est là. Jordan, il va partir avec Dylan. Ils vont aller faire, je crois, du karting ou du... Je sais pas. Enfin, ils s'en vont entre mecs. Et bah écoutez, bah nous, Franck, il est rentré de sa formation. Demain, il ne travaille pas. Donc, c'est pour ça qu'il me gardera Logan parce que je ne mettrai pas à la crèche demain. Et comme je vous disais ce matin dans le vlog. Et je vous ai filmé tout à l'heure le rendu de ce que j'ai peint. J'ai repeint, en fait,
le plateau, ce que j'ai peint, voilà, je me reprends. J'ai peint le Mickey qui était en argent et je l'ai repeint en blanc. Et il y avait le plateau de lumière qui était tout jaune, mais un jaune pas beau. Et du coup, je l'ai repeint en blanc et ça fait super joli. Donc, je suis hyper contente. Voilà, donc du coup, ma journée, écoutez, je me suis occupée. J'ai pas mal joué avec Logan aujourd'hui. On a fait des puzzles, on a fait du dessin, on a fait de la pâte à modeler. Oh, il a joué, après il a fait le dodo, voilà, moi j'ai cuisiné, là le poulet il est cuit pour, il est fait pour ce soir. Je pense que je vais sûrement refaire des pâtes. Et puis voilà, moi je vais prendre une bonne douche comme je vous disais et je vais vous laisser ici. Voilà, alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Ben, parce que ça fait plaisir et parce que ça fait monter ma chaîne. Et en tout cas, merci de faire, mon, de faire monter de faire monter ma chaîne. Je vais y arriver. Merci de faire monter ma chaîne. Ça fait plaisir. Je le fais pour vous. J'ai toujours des retours très 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 positifs. Donc ça fait plaisir et ce qui me donne envie encore plus de vous faire des vlogs, de vous vloguer mon quotidien de maman qui est pour moi extraordinaire. Voilà, parce que je pense que de nos jours, être maman au foyer, c'est quand même une chance, une chance quoi, en fait. Voilà, parce que c'est vraiment pas facile maintenant d'avoir qu'un seul parent qui travaille. Je sais la chance que j'ai de pouvoir rester à la maison parce que mon mari se donne tous les moyens. Je dis pas que les autres se donnent pas les moyens, ce que je veux pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi je travaillais jusqu'à présent, mais j'ai fait le choix d'arrêter mon activité professionnelle pour me consacrer à Logan. C'est mon choix personnel. Donc je reconnais que c'est une chance. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, merci à vous. Et merci à vous parce que cette chaîne existe grâce à vous. Et puis je vous dis à très très vite.